Salut, station fréquence, les 20 sur 13, c'est à côté à vous tous de la part de Dandy 33. Et c'est reparti pour le QSO national du canal 27. Alors on est vendredi, oh, j'ose pas dire la date, 1er avril 2016. Alors est-ce qu'il y a du monde en fréquence? Ah ben oui, c'est un poisson d'avril, pas de souci. Attention, les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27. Est-ce qu'il y a du monde en fréquence? 13, 51, Rémi, 14, Victor, Eric, 27, l'opérateur Eric, 14, ouvert, 01, 07, bonsoir à tous. Ok, des 20 sur 13, 51, toi Eric. Là, je me suis dit, ça y est, tout le monde va me faire le coup du poisson d'avril. Ce soir, pas de QSO, je suis trois coups. Non, mais de toute façon, je l'aurais bien pris quand même, hein, y a pas de souci, c'est le 1er avril, c'est le 1er avril, hein, hachi. Bon, en tout cas, je sais pas si de ton côté tu entends, mais moi de mon côté, j'ai pas mal de bruit de propague là derrière, hein. Ah ouais? J'ai entre 2 et 3 points de bruit, là, de propague là derrière, je sens rien du tout. Je ne pense pas que ce soit Jamon, c'est peut-être Daniel, parce qu'on aurait bien dit un peu la modulation de Daniel, mais je ne suis pas sûr. Attention Daniel, est-ce que tu es en fréquence? Moi j'entends plein de trucs, mais c'est pas pour nous, quoi. C'est la propague là qui nous ramène ça, quoi. Ah ben tu m'étonnes, ce matin j'étais en formation, recyclage incendie. Alors on a appris comment allumer un feu, et puis après comment l'éteindre. Hachi. Ah, c'est pour le chat, hein. Non, non, c'est juste le truc de base, quoi, c'est tout, hein. Puis avec utilisation de extincteurs, un truc comme ça, quoi. Bon, à notre niveau, le truc de base. Ouais, voilà, ouais, c'est englobé dedans, quoi, voilà, oui. Ah, ok, ok, bon, mais c'est bien, ça permet de rester à niveau. Ouais, voilà, et puis bon, j'imagine que le prochain coup, ça sera le SST. Ah oui, ça fait partie aussi, ouais, le SST, ouais. Tu vas pouvoir t'entraîner bouche à bouche. Oh putain, j'ai dit pas de conneries, hein. Elle rigole. Elle est en train de rigoler. Mais... Voilà, je plaisante, ça vient. 88. Oui, elle fait signe de la tête. Oui, oui, c'est ça, oui. Bon, elle te retourne ça, il n'y a pas de problème. Mais, enfin, j'avais envie de
tiré sur rien. Il y avait une YL avec nous, voilà, j'ai baissé d'un cran. Il y avait une YL hein, dans, avec nous, là, dans le groupe. Mais toi aussi, si tu dis des conneries, là, hein. Et en plus, c'est même pas une connerie. Elle a vu la feuille de convocation avec tous les noms de marqués dessus. Je sais même plus comment elle s'appelle, en plus. Bah, t'as raison, c'est vrai, au moins non plus. J'ai bricolé sur mon forum, oui, à rajouter là, des posts. Là, en ce moment, je suis pas mal sur la marque Lafayette, mais côté vieux truc, côté vintage. Putain, je vois de ces trucs, ouai, aïe, aïe, aïe. Il y a certains posts, je me suis demandé comment ils ont pu les vendre. Hachi. C'était pas Lafayette, c'était Lafayette. Ah ben là, pour le coup, oui, c'est sûr, hein. J'en ai montré un tout à l'heure à Fabienne, tu te demandais ce que c'était, quoi, le truc. Hein. Bon, ça va. Par contre, j'ai vu la petite vidéo, là, que tu l'avais dit, sur la société américaine, là, aux États-Unis, c'est vrai qu'ils sont fermés, hein, de la radio. Ah oui, oui, oui. Et pour réussir à voir ça, j'ai mis mon pied avec la caméra, ben, comme tu as pu t'en douter, là, devant la télé. Et puis, allez hop. ce que j'ai fait, je suis passé par le replay, quoi. Voilà, voilà. Et ce qui fait que j'ai chopé juste là les deux petits passages là que j'ai collés ensemble. Ah ouais, non, mais ils sont à fond, hein. Et remarque, ils ont raison, hein. Tu m'étonnes. C'est sûr, hein. Et je l'ai pas mis sur ma chaîne YouTube habituelle. Hein. Non, 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 parce que là, c'est pour le coup qu'il tombe dessus et qui me firouille tout le truc. Alors avec les 3 tonnes de vidéos qu'il y a dessus, hop, 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 je prends pas de risque. Attends, je te comprends, parce que moi, j'ai mon équipe, moi, elle travaille. Si je lui fais ça pendant The Voice, elle me coupe tous les câbles. Voilà, je les ai mis d'un côté directement sur Facebook, d'autre côté sur un petit compte, comment ça s'appelle là, les concurrents de YouTube, Dailymotion, oui là, merci Fabienne, voilà sur le Dailymotion, comme ça au moins là je suis tranquille, si je dois me faire bloquer un compte, ça touchera pas le principal quoi. Des interventions, Fabienne. Hachi. Ouais, non, mais c'est vrai, là, quand j'ai vu ça passer à la télé, oh, je me suis dit ça, faut que je chope. J'y allais, viens par là, toi. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, on est le 1er avril aujourd'hui, et bien, en 87, je partais, le 1er avril 87, je partais au service militaire, moi, tu vois. C'est vieux, 87, et ben tiens, 87, hiver 87, et ben peut-être dans cette période-là aussi, c'est là où je suis arrivé sur Bordeaux, là sur la Gironde. Ah ouais, moi, c'était un poisson d'avril, le 1er avril 87, et encore je suis parti en retard parce que ceux de mon côté, j'aurais dû partir 2 ans plus tôt, et tout était plein, là, alors il n'y avait plus de place, il ne me voulait pas. Et après, le 1er avril, ils m'ont dit, c'est que l'ancien poisson, allez, embarque. Enfin, j'étais pas là, il n'y avait rien. C'était un recyclage, moi aussi. D'accord, ok. Là, quand je suis arrivé en 87, là, sur la Gironde, à ce moment-là, j'avais un Ford Transit transformé, enfin,
En début, enfin pas mal avancé quand même, de transformation en van custom. Alors l'intérieur était, le dessous était peint, peinture métallisée là avec au niveau du pont, là, toutes les parties en mouvement là en dessous du van. Un aileron de rajouté sur le dessus. J'ai fait des bandes là sur le côté. Côté klaxon, j'ai mis des trompes de camion. Et à l'intérieur, au niveau de l'habitacle, je m'étais fait une console avec dedans une console au plafond, avec la CB, tout ça dedans, l'autoradio, le tout encastré. Plus l'arrière que j'avais commencé à aménager avec du contreplaqué mince pour que ce soit le plus léger possible, bien isolé pour pouvoir habiter dedans. J'aurais eu les sous pour continuer, je comptais faire tout un matelassage à l'intérieur. Voilà ce que j'avais prévu là, justement, là avec ça, quoi. Et puis bon, ben, les choses se sont pas passées comme il fallait. Fin été 87, ben, du coup, j'ai dû le revendre. Aïe, aïe, là, ça a fait mal. C'est des choses douloureuses de moment, ouais, c'est vrai. Moi, sur la caisse que j'avais le Renault 18, elle avait une, elle dit de couleur, le capot de l'autre, la chaîne, oh là là. C'était pire que la voiture de parquet, tiens, mais un peu pourri. Voilà. Bon, on va laisser un petit là, des fois qu'il y aurait quelqu'un. Allez, en avant les stations. Ben le blanc, il a viré au bordeaux, j'ai l'impression. Il y a quoi? Le blanc, il a viré au rouge, j'ai l'impression. Ouais, ouais. C'est grand vieux. Allez, ça va, Thierry? Ça va, ça va. Salut, Eric. C'est vers... Oh, je m'en fais jamais à côté. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Dandy, voilà. Voilà, voilà. Salut, salut, ça va. Ok, je reprends. Ok, ça marche. Les 73 ou Rémi, hein, comme tu veux, pareil. Les 73, Thierry. Oui, c'est assez calme ce soir. Ça doit être. Il y en a qui doivent avoir envie de nous faire le coup du 1er avril. Et puis, il faut dire que la fréquence n'est pas très propre. Hein. Donc là, on ne doit pas nous entendre très très bien, là, pour le coup. Hein. Voilà, voilà, Rémi, ouais. Pardon, pardon, moi, c'est pas. Enfin, je m'embête pas à ce moment-là, voilà. Mais il y a. Mais c'est le bordel quand tu parles, je sais pas ce que c'est. T'entends pas, Eric? Il y a un bruit derrière. Ouais, je sais pas si c'est pas une valise qu'on entend derrière. Mais c'est quand tu lâches le micro, c'est bizarre. Ça fait. Il y a un bruit derrière. Ouais, bah tiens, je viens de l'entendre à l'instant, là. C'est sur ma modulation. Attends, je fais une porte blanche. Ah ouais, j'ai toujours ce petit truc là qui traîne. Oui, on dirait qu'il y a une machine qui tourne derrière. C'est bizarre. J'ai la ventilation ouais, de truc qui est branché à côté là pour favoriser la propague. Ouais, qui tourne. Par contre, il est un peu plus silencieux là ce soir. J'ai glissé un chiffon en dessous, ce qui fait que ça résonne moins. Par contre, j'ai entendu un Roger Beep. Alors, avec votre permission les uns les autres, en avant le Roger Beep. Bon, il n'a plus envie. C'est sûr que c'est un ventilo. Voilà, t'as pas quelqu'un à côté qui ronfle des fois? Fabienne, est-ce que tu es en train de ronfler? Non, elle est réveillée. Ah, chi. Ouais, il y a un bip. J'ai entendu le bip, mais elle n'entend pas grand-chose. Ouais, j'entends que le bip aussi, moi. Bah, le bip, t'arrives ou t'arrives pas, le bip?
moi, c'est pas grave. Ouais, ouais. Bah, tu lui dis de pas me tirer l'oreille, quand même. Tu lui dis, oui, que c'est le 1er avril que t'es parti à l'armée. Ouais, le 1er avril 87, j'ai parti à l'armée, ouais. Et puis, je suis parti 2 ans en retard, parce que devant l'aller, c'était complet, donc je suis parti un peu à la bourre. Mais voilà, je suis 1er avril 87, c'est un beau poisson. Ah, ouais, ma 1er avril, c'est là où j'ai pêché mon premier thon, quoi. Ah bon. Je crois que j'ai compris. Poisson, thon, poisson. Ah oui, non, je pensais à un thon à deux pattes, moi. Ah, c'est pas comme ça, moi. Ça y est, voilà. Alors, qui va parler, poisson, thon, c'est comme la voiture, hein. Mais après, là, c'est comme... après, il disait, j'avais une voiture de toutes les couleurs. Mais quand j'ai pêché, moi, quand j'ai pêché, elle avait toutes les couleurs, après. Fait voir de toutes les couleurs, qu'est-ce que tu veux dire, oui. Ouais, voilà. Et dites pas de bêtises, hein, parce qu'il y a des Y qui écoutent, attention. Ah bon? Présentez-vous, mademoiselle. Je m'appelle Coyote, célibataire, depuis 43 ans. Non, moi je suis 1m50, 55 kilos. Moi je suis 1m10 sur 30 de large et 32 kilos. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un à l'écoute qui voudrait rentrer dans le QSO ce soir? On arrête de donner des bêtises et on vous écoute. Enfin, qui voudrait rentrer ou sortir, ça dépend. Il y a plein de bruit derrière, mais c'est tout ce que j'entends, putain la vache, ouais. Eric, alors, et si je te parle d'un... Là, j'ai fait quelques petites recherches. Alors, boisson d'avril ou pas? Si je te parle d'un poste CB, qui a le Bluetooth, et qui peut faire en même temps kit main libre pour les téléphones portables, d'après toi, ça peut exister ou pas? Je vais te dire que oui, puisque tu m'en as déjà parlé un jour. Oh merde. Oh merde. Bon, ben, je me suis grillé tout seul. Je vais complètement zapper. Eh zut, t'as dommage qu'il soit pas en vente chez nous, celui-là, parce que, par contre, ce qui est chiant... ah oui, putain, ça me revient. Ouais, je t'ai même dit que toutes les innovations, en fin de compte, elles sont pour les postes AM ou AMFM, et non pas ceux avec la BLU. Ça, c'est du n'importe quoi, ça. Parce que là, il se ferait du fric avec ça. Hein. Ouais, c'est... Thierry, c'est la marque Cobra, le Cobra 29 LTD LX BT, BT pour Bluetooth. Putain, c'est hallucinant, il y a une vidéo là qui est avec. Hein. Et tu vois le mec avec son iPhone là qui est connecté sur son poste de CB. Hein. C'est, ça fait bizarre quoi. Putain, ils vendraient ça chez nous. Putain, mais ouais, ils se feraient du fric, hein, c'est clair. Hein. Il y en a beaucoup qui l'achèteraient rien pour pouvoir brancher leur téléphone dessus quoi. Que tu avais, toi, Thierry? Si, Cobra, ouais, si, c'est ça. Bah, j'avais le 200 GTL de Cobra. Ouais, attends, oh là, j'ai entendu quelqu'un qui en parlait en retard, mais j'ai pas tout reçu. Hein. Ah, c'est pas moi. Ah, t'es arrivé fort, mais on aurait dit que c'était pas sur la même fréquence. Je sais pas si c'était pas à ASV ou à la même, je sais pas. Ah oui, il est pas mal celui-là, oui. C'est bien celui-là qui a l'affichage de fréquence avec. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est bien ça, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal celui-là. Ah, mais il n'y en a pas beaucoup, il est comme ça. Surtout chez nous, parce qu'ils ne sont pas importés en France. Donc celui-là, il a dû passer comme ça, comme si, et puis voilà, quoi.
possible. Quand je l'ai acheté, moi, je l'ai acheté à Lille. Oui, non, mais... Ouais, non, mais je veux dire, il n'a pas été homologué, celui-là. C'est ce que je... Si ? Non, je crois pas, non ? Eh ben si, moi, je l'ai acheté la... Moi, 200 GTLDX, je l'ai acheté à 6000 plus, à Lille. Tiens donc, ah ben tu vois, là je donne à prendre une. Et ouais, voilà, je l'ai devant les yeux, là, justement, là. Éclairage, affichage rouge. Et éclairage des boutons, apparemment, des commandes vert. Oui, mais ils en ont sorti plusieurs, oui, moi, c'est ça. Ouais, c'est ça, éclairage rouge, ouais, c'est ça. C'est j'avais le Cobra 200 GTLDX. Ouais, ouais, putain, c'est vrai qu'il est bien celui-là. Ah oui, là j'aurais bien aimé en avoir un comme ça. Ah ben la puissance qui sortait déjà pour... et puis, bon, merde, alors, c'est pas trop près, il va falloir recommencer ce bordel. Non, j'espère que ça n'est pas de bruit. Voilà, avec la puissance qui déjà qui a envoyé le poste, 100 watts, ça fonctionnait bien. Plus après, j'avais autre chose. Ouais, mais le poste seul, il sortait combien de puissance? Je viens de te le dire. Soit tu regardes bien la description, soit tu peux le mettre en 4 watts. Normal, tu peux mettre 4 watts. Et tu as un mouton qui est en bas à gauche. Le premier mouton, c'est un mouton qui c'est 4 watts ou 100 watts. Ah la vache, ouais, j'avais pas entendu. Putain la vache. Mais ouais, soit tu peux le mettre en 4 watts ou soit en 100 watts. Mais tu peux pas le mettre par exemple en 20 watts, 30 watts, 40 watts, tu peux pas. Soit de 4 watts, tu passes à 100 watts. Putain, mais... Oula, ah oui, quand même. Ah, mais ça fonctionnait bien. Ah ben oui, je veux, oui. Puis de toute façon, c'est vrai que Cobra, c'est une marque qui m'a toujours attiré, ça. Les routiers américains, c'est ce qu'il y avait, c'est ce qu'ils ont de manière. La marque Cobra, c'est ce qu'ils ont comme en poste civil. Ouais, affirmatif. D'ailleurs, je me souviens autrefois, ça dans les années 80, certains disaient que les Superstars étaient la marque préférée des routiers américains, alors qu'ils se plantaient tous. Parce que, bon, c'est vrai que Superstar, Cobra, les postes, ils se ressemblent vachement, quoi. Donc, c'est vite fait de se planter, quoi. Et autrement, oui, puis ça, c'est toujours Cobra hein, qui est la marque préférée des routiers. Hein. C'est quoi la référence que j'aurai sur le net, là ? Le Cobra. Cobra 200 GTLDX. Ok, je vais regarder. Alors, pour celui-là, c'est le même que j'ai. Avec son micro en façade. Ah tiens, ah oui. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a la FM dessus. Connaissant les normes américaines, ouais, c'est étonnant, quoi. Alors, A, B, C, D, ok, d'accord, je vois, c'est un 200 canaux, 160 canaux, pardon, FM, AM, USB, LSB. Par contre, ce qui est étonnant, c'est l'emplacement du micro. Ouais, remarque, vu les quatre petits boutons qu'il y a à gauche, ils font la largeur du vue-mètre, hein. Donc, enfin bon, placé comme ça, ça fait. Le micro, ça fait bizarre comme ça. Ah, ben oui, t'as vu le radiateur pour le refroidir. Parce que là, c'est un poste, c'est comme si t'avais un décamétrique, il y a des PA de je sais pas combien dessus. Ouais, là, je l'ai en façade, mais dans le reflet en dessous, là, j'aperçois le radiateur, il a l'air d'être costaud. Hein. Alors que je fasse un petit retour en arrière. Bon, quand ça veut. S'il y a des stations derrière qui veulent rentrer, allez-y. Vous connaissez pas Eric, le Cobra 200 GTLDX? La marque si, mais c'est vrai que je connaissais pas, je les avais pas vus. Ah, c'est un beau poste, hein, quand, il est en réparation, hein, mais il est temps de le remettre. Quand je vais le remettre, je me servirai du
les cas métriques, mais je le mettrai à côté, mais je vais m'en servir de celui-là. Ouais, je l'ai, la Cobra 200 GTL VX, ouais, je l'ai, c'est le manuel, là. Voilà, t'as les photos, t'as fait joli, mais en plus, il est lourd comme bordel, hein, tu sais pas si on en va plus le poids, mais il tremble quand même. Ah oui, je suis en train d'afficher une photo de l'intérieur. Oh la vache, c'est plus la même chose. Hein. Ouais, t'as vu l'affichage digital, il est à 6 chiffres. 3, 4, 5. Ah non, après c'est les cadeaux, pardon. Ah oui, j'aime bien l'intérieur, comment il est. Hein. T'as un sacré radiateur dessus. Ouais. C'est ce que je disais. Putain, mais c'est. Ah ouais, on dirait. C'est des filtres. Ah oui, c'est des filtres qui sont rajoutés à l'intérieur. Putain la vache. Même le micro, il a de la gueule un petit peu, le micro aujourd'hui. Ouais, je crois qu'il y en a une qui l'a gardé coincé là dans un coin et puis qui a dû lui dire toi tu bouges pas de là, ouais, chie. Bon, les stations, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans le cuisseau national? On laisse un petit blanc. Celui-là, j'ai déjà répertorié là, de mon côté, justement, là, sur mon forum. C'est vrai que là, j'ai vu les vidéos, c'est vrai que... Ah, enfin bon, tant pis, c'est pas grave. Il est vraiment très rare à trouver, celui-là, très difficile à trouver, je veux dire. J'avais vu, là, ce qu'ils avaient mis sur Facebook, où... ils font le tuning.